Salut à tous, aujourd'hui VV pas santé, donc je vais parler d'une année en question en musique, de l'année 1959. Qu'est-ce qui se passait en 1959 côté musique, bien sûr, en musique, bien sûr. Je vais vous parler de les news hein, de l'année 1959. Le 3 février, un crash en avion tue Buddy Holly, ce Big Bopper et Chrissy Valens. Ce jour est connu comme The Day, The Music Dead. Le jour où la musique est morte. Le 16 février, Édith Piaf s'effondre sur scène à New York. Le 11 septembre, Jacques Brel enregistre Ne me quitte pas et sortira en 59, mais sortira qu'en 62. La version, il y a eu plusieurs versions de Ne me quitte pas. Il y a eu une version qui était enregistrée, mais refait en 1962, sera un petit peu plus connue en 1962. 19 octobre, première émission. Salut les copains sur Europe 1. Voilà, c'était Europe numéro 1. Le 16 novembre, la comédie musicale La Mélodie du Bonheur débute à Broadway avec comme vedette Marie Martin. Ce spectacle sera joué 1443 fois. Et sera sorti d'un film aussi, La Mélodie du Bonheur. 17 août, sorti aux États-Unis de l'album King of Blue de Miles Davis, considéré comme un des meilleurs albums de jazz de tous les temps. Le 30 décembre, Johnny Hallyday participe à un radio crochet et est remarqué par les paroliers Zil et Zon. Après ces rencontres, le jeune inconnu ne tardera pas à se voir proposer un contrat par la maison de disques Vogue. Et il y a une autre version également que Johnny Hallyday. Voilà, donc. C'est aussi grâce à Van Vagt Debout que Johnny Hallyday, voilà, c'est Van Vagt Debout qui avait remarqué aussi Johnny Hallyday dans un café et il chantait, voilà, des chansons soit d'Elvis Presley ou des époques de l'époque dans les années 58-59. Et donc, à mon avis, il y a eu deux versions. Donc, on va voir si c'est la vraie ou la fausse, mais deux affirmations. Donc, c'est Sinra c'est Vogue, voilà. Également. Donc, les premières années entre 1960 et 1962, et après signera Sir Philips, et après signera d'autres maisons de radio, d'autres maisons de disques plutôt. On y a. Et le premier disque de Johnny Hallyday, vous savez, en 59, dont Salut les copains, comme Lucien Maurice, l'ancien, le mari de d'Aïda, dans les années 60, cassa le disque en public, hein, vous savez, en 1959. Johnny Hallyday n'était pas considéré comme l'artiste très populaire. Il y avait des pour, des contre. Là, c'était vraiment incroyable. Mais comme ça ne tarde pas à réussir, bien sûr, en 1959, l'artiste, bien sûr, sera l'idole. L'idole des jeunes, dans quelques années plus tard, sera l'idole des jeunes. Il sera toujours notre idole adorée. Voilà. Les succès de l'année en France, bien sûr, avec Kaline Twins When, que la version vient de Dario Moreno, qui avait repris en français. Dalida Come Prima, Dalida avec guitare et tambourin. Annie Cordy, La Marche des Gosses. Guy Béard L'Eau Vive, qui a un gros succès pour Guy Béard, hein, c'est son premier succès. Van Philippe, oui, qui avait remporté l'Eurovision, hein, avec ce titre-là. Sacha Distel serait dommage, Dalida Ciao Bambina et Gorillaz Vénus et les Compagnons de la Chanson, je voulais dire la Compagnie Créole, les Compagnons de la Chanson, le Marsan de Bonheur, un tube qui marchera en 1959 et qui remarchera encore en 1960 dans les années 60. Et parlant les succès en 59, les succès internationaux de l'année. C'est Bobby Darin avec Mac The Life et serait de l'Opéra Katsu. Avec Frame Lover aussi Bobby Darin. Chris Berber, Petite Fleur. Cliff Richard, Living Doll. Connie Francis, My Happiness. Craig Douglas, Only 16. Elvis Presley, Fool's Heart, No Hands Elvis Presley avec In Big Earth of Love. Et encore un autre titre de Elvis Presley avec I Need You Love Tonight et Emile Ford et ses Kmecs, What Do You Want to Make Yours? Yes, my, me for. Frankie Avalon,
Venus, Gimme Cell, Attack of the Number, il y a The Nils American avec Red River Walk, The Newton avec Battle of New York, New Orleans, Orleans, oui. Lion Prince avec Personality. Un autre essai de Lion Prince avec Stagen Lee. Marty Robbins avec El Paso, Nel Secada au Carol, Polanka Lonely Boy, Polanka avec Paul You and of My Thunder, et Red Charles avec What a Say. Rizzi Manon's Donna, Santo and Zoni avec Speak Wake, The Worlds avec The Wind Blends, les Croix Closes hein, en français, The Coaster avec Sally Bourne, The Drifters There Goes My Baby, The Flamingos, I Only Have Years For You, The Flatoon, Mr. Blue, The Platters, Buckhead In Your Eyes, et Wilbur Harrison, qu'on connaît même pas, avec Kansas City. Et on va dire qu'est-ce qui s'est passé dans les naissances en 1959, hein, le 16 janvier, Sade, Adou, chanteuse britannique du groupe Sade. C'est pas la Sade Ado, et son nom de groupe c'est Sade également. C'est facile à rappeler pour elle. Hein. 17 janvier, naissance de Susanna Wolf, chanteuse américaine et guitariste du groupe Les Mongols. Le 28 mars, Christophe Bessanatz, musicien français fondateur du groupe Kibrai, connu au bataillon. 14 mai, Patrick Bruel, c'est Patrick, cassez la voix, chanteur et acteur français. 20 mai, Israël Kamakavole, chanteur hawaïen. Premier soin, Alan Wider, clavieriste, compositeur, arrangeur et producteur anglais du S-Mound, de Depeche Mode, et membre de Recon. Voilà. 22 juin, Stéphane, et 27 février, et malheureusement décédé le 27 février 1999, et Nicolas Serkis, membre et leader du groupe Indochine, le 22 juin, voilà, qui sont nés, voilà, Stéphane et Nicolas Serkis du groupe Indochine, qui va faire ses 40 ans cette année, hein, de succès. 9 septembre, Eric Serra, compositeur français, avec Le Grand Bleu, qui avait composé d'autres films aussi. Le 9 octobre, Thomas Wilder, batteur suisse. 30 octobre, Vincent Lagaffe, chanteur et humoriste français. Le 5 novembre, Brian Adams. Et le 28 décembre, Ana Torroja, auteur, compositrice, interprète espagnole, la chanteuse de Mecano, hein, qui faisait le groupe Mecano dans les années 90 et qui a repris la chanson avec Patrick Bruel qui a le droit dans un album. Et les décès, bon, il y en a quand même pas mal. Hein. Le 3 février, c'est Buddy Holly, Rizzi Valance et The Big Bobber, chanteur américain de rock'n'roll, meurt dans un accident d'avion. Le 15 mars, bien sûr, c'est saxophoniste ténor de jazz, et le 17 juillet, Billie Holiday, encore une chanteuse de blues de jazz américaine, qui est morte à 44 ans, et c'est quand même, voilà, une grande chanteuse des années 30, 40, 50, hein, quand même, hein, qui est quand même un petit... Et donc, c'était la fin de ma chronique, cette année-là, de 1959, en musique. Et j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc on va parler un peu de musique de temps en temps. De temps en temps, on va centrer quelques disques, mais quelques succès. Bon, on va faire en 1959 en musique, voilà. La semaine prochaine ou prochaine vidéo. Si vous me dites, hein, vous me dites quelle année aimeriez-vous que je parle en musique, vous me dites, voilà, soit sur les commentaires, tiens, il serait bien d'écouter la musique... J'aurais bien parlé en 2020, 2015, 2082, 88, 1960, 70, ah voilà. Vous me dites des suggestions et vous mettez en commentaire, et voilà, je ferai une vidéo, voilà, par semaine environ, et dire quels sont les morceaux que vous avez aimés en 1959 jusqu'en 2020, voilà.
Donc on va faire plaisir à tous les voilà, tous les fans qui me suivent sur ce réseau là. Votre youtubeur Thierry Capella Voice et bien sûr couvrez bien sûr ma chronique sur des chroniques d'émissions, voilà, sur cette phase YouTube, voilà. Et à plus tard, j'espère que ça vous plaît, hein, vous me dites, si ça vous plaît pas, vous me dites, hein, au revoir, à bientôt, dans une prochaine vidéo, en musique, ou alors en chronique. À bientôt!